marche pas. Si, ça marche. Yeah ! Bonjour à tous ! Bienvenue les gars, comment ça va ? Oh putain, la lumière là ! Faut que je me recule comme ça là. Voilà, là c'est mieux. Bah oui, c'est pour m'aider à cette heure-là. Oh Karl ! Oh Karl ! Karl, c'est pour toi, Karl Vincent. Bienvenue dans Basique. Normalement, je veux le bon. Ouais, bienvenue à toi. Ouais, bah, si la lumière va comme ça, donc ça m'éclaire ma tronche, c'est pas grave. Hein. Voilà, dis-nous tout, Vincent, de d'où tu viens et tout ça. Qu'est-ce que tu fais comme petite maquette? Vite, la maquilleuse. Bah ouais, mais elle est pas là le soir. Là, la maquilleuse. Elle est pas là. Bon, bah, ma petite tisane, hein. Moi, je suis prêt, hein. Je viens du Québec. Encore un Québécois. Tabarnak. Alors, toujours avec ma tasse magique, là. Hein. Eh ouais, eh ouais. Je vais montrer ça au gars, là. Regardez bien, regardez bien. Attention. Regardez, 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 regardez. Hop, Spitfire, Clusterman. Trop bien. Je me suis amusé toute la journée avec. Ouais, pensez aux pouces, les gars. Il y a tout le monde, bonjour à tous, hein. Je ne peux pas citer tous les prénoms, il y a du monde là. Le soir, il y a plus de monde que le midi. Hein. On est déjà une centaine là. Il manque des pouces? Bah ouais, 20 pouces les gars, vous faites quoi là? Ah, hit the plus button, comme dit notre ami Go for it painting. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, vous allez maqueter ou pas? Mais où ils achètent leurs maquettes, les Québécois? Bah, ils ont pas de bol, hein. Ils achètent ça au Québec, évidemment, mais enfin au Canada, etc., aux États-Unis. Mais c'est plus cher que chez nous, hein. Surtout tous les produits AK, MIG, tout ça, quoi. Tu as bonne mine, Didier. Ouais. Alors pourquoi je fais ça le soir? Je fais tenter le soir, parce que la semaine dernière j'ai craqué deux fois le soir. Le soir c'est le plus dur pour moi. À partir de 20h, quand je suis devant ma petite série ou devant mes bouquins, j'ai trop envie de bouffer. Quoi. Donc j'ai rien à la maison, c'est vide, hein, le frigo est vide. Mais bon, j'ai toujours des petits trucs quand même, tu vois, des petites noix de ci, des petites noix de là, des petits yaourts, des petits machins. Et j'ai tendance à vider le frigo. Alors que quand je fais des maquettes, pas du tout, je pense pas du tout à ça. Donc je me suis dit, voilà, l'après-midi c'est facile pour moi, donc pas de maquettes. Le soir, faisons des maquettes, on va faire un direct. Comme ça, je penserai pas à la bouffe. Et ça marche, je pense pas à la bouffe. Que devient la marque à Zegawa? Je me rappelle. Bah, Zegawa fait leur petite vie, hein. C'est pas une grosse marque, quoi. Non, ils font pas beaucoup de trucs nouveaux. Ils font des rééditions, ils changent les décals de temps en temps, ils sortent une nouvelle boîte. Mais avec le même moule, mais des nouveaux décals, quoi, des choses comme ça. T'es en train de nous dire qu'on est un substitut à la bouffe? Exactement. Bon, alors vous, je sais pas ce que vous allez faire. Alors, vous avez vu ce que j'ai fait ce midi sur ceux qui sont sur... Regardez le Spitfire, là. Vous voyez pas grand-chose. Vous voyez pas qu'il tombe tout seul, là? Regardez. Et il tourne à 2 cm de la... Tu vois, il est en lévitation. Mon Spitfire. Je peux pas l'amener là parce qu'il est branché, il y a un fil et tout. Ouais.
Mais j'avais mis des vidéos sur, sur Discord là ce matin. Vous l'avez vu. Ça aide vraiment ma cathédrale soir, tu n'y penses pas. Bah ouais, bah, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé ça. Hein. Bon, et puis j'ai fait mon... J'ai changé les canons de mon... J'ai fait des canons en métal. Non, bah, attends. Ouais. Voilà, j'ai changé, j'ai scratché tout ça moi tout seul. Les canons, j'ai rajouté plein de petites pièces là. Tu vois, sur le... Plein de petits trucs, il y a la photo des coupes là, qui me restait des chutes. Enfin, j'ai bricolé tout ça, j'ai nettoyé, j'ai gravé, j'ai machin. J'ai mis des nouveaux canons. Et on va bientôt attaquer la peinture. Classique, hein, je vais faire blanc cassé là. Et puis des traits rouges là, comme il y a sur le. Voilà. Et puis voilà. Le Yoda, je vais le faire. En fait, au départ. Ouais. Au départ. Je voulais mettre le Yoda là. Pour que ça soit lui qui soit en train de léviter. Oh là là, attends, ça va pas ça. Bon. Je peux pas en couper une là pour que ça soit un peu moins. Ah. Ça reflète trop la lumière. Bon, ah, j'ai peut-être une idée. Bougez pas. Ouais, mais c'est comme Spielberg. Spielberg, il fait ses tests. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Au début, après, je mettrai les autres. Mais tu vois, le petit Yoda, là, je voulais mettre ça pour que ça soit lui qui fait la lévitation, tu vois. Puis qui tourne comme ça. Mais je me suis dit, je vais faire mieux. Ça, je vais le mettre à côté, le Yoda. Genre, c'est lui qui fait la lévitation, tu vois. Il est en train de se concentrer, il a les yeux fermés, là, il met ses mains comme ça. Et... Tu vois, voilà ça. Je vais le mettre à côté, c'est pas lui qui va tourner. Lui, il va être statique. Et sur l'aimant, là, je vais mettre R2-D2, tu vois. Et genre, c'est R2-D2 qui est en lévitation, qui tourne, et c'est lui qui le fait, tu vois, zzzz. Tu vois. Voilà, donc là, j'ai déjà le Yoda, avec mon ami, il n'est pas là, Bilout. Avec Floppy, je vais lui faire imprimer un R2-D2, avec en dessous le trou pile poil la taille de l'aimant, là. Mettre bien ça en peinture et tout. Et puis ça fera une espèce de petit... Ouais, un petit diorama, un petit truc rigolo à mettre dans la maison, et puis que, tu vois, voilà, dans l'entrée, là, ça fera rigolo. Voilà, vous savez tout. Alors moi, je vais attaquer le décal. Bonsoir Didier, je me lève à 3h, donc replay demain, pouce mi. Ok, merci Jean-Luc. Quelques bugs chez moi. Ah bah, ça, je peux rien faire. Je peux pas aller chez toi. J'ai pas le temps. C'est un peu trop loin. Pareil, quelques bugs. T'as des bugs de quoi? Donc là, on va masquer quoi. Hein, on va masquer tout ça. Alors j'ai déjà masqué celle-ci là. Et puis j'ai passé un coup de verre transparent à l'intérieur. Donc là, demain, quand ça sera bien sec, je vais remasquer le panneau central. Puis après, tout en noir, machin, tout ça, continuer ça. Voilà, quoi. Pulma, la qualité d'image. Ah oui? Didier, petit renseignement. Kit 28. As-tu déjà commandé sur eBay dans les magasins à l'étranger, chinois et Australie? Jamais. Never. C'est pas le X-Wing dans le marais qui l'évite. Ouais, mais là, c'est trop lourd. Là. Il est lourd. Il fait pratiquement 600 grammes, le bazar. Salut Nicolas. Tu as essayé la lévitation aussi? Ah ben, ouais. Un peu trop lourd pour grimper sur les mains. Il faut pas que ça soit un truc trop haut, tu vois. Faut pas que ça soit un truc trop haut, sinon ça va pas tourner comme il faut. Bon. Bah, je sais pas ce que c'est, Bulma. Hein. Regarde les autres, ça va. Hein. Ça va, les gars, les autres? Ou vous avez tous une image complètement pourrie?
Si c'est tout le monde, ça veut dire que c'est moi. Et surtout, tu mets tes éléments. Image OK pour tout le monde, tu vois. Donc, c'est chez toi, Bulma. Sinon, tout le monde sera à la même enseigne, comme on dit. Papa Hôtel, merci pour tes photos. Hein. J'ai tout mis en ligne. Hein. Nickel, nickel. Tout nickel. Bon, ben voilà. Bon, allez, je m'y mets tout doucement. Vous m'inquiétez de votre côté. Alors, si vous m'inquiétez, de temps en temps, prenez une petite photo, mettez-la sur Discord. On ira jeter un petit coup d'œil tout à l'heure. C'est lequel fabricant? C'est une impression 3D, Martin. Salut, Jean-Luc. Alors, allons-y. Là, je mets le... Ouais, c'est le inside. Hein. Donc, le inside, j'ai déjà mis là. Et là, du coup... Alors c'est les masques Edward là, hein, qui sont quand même sacrément pratiques. Hein. Salut Jean-Fred! Alors, on y va tout doucement. Il faut bien les placer. Une fois qu'ils sont bien placés, ils font leur travail impeccable, les masques, là. Alors, sur la verrière du Tomcat, Tamiya tout au moins, il y a une petite ligne là, hein, qu'il faut poncer, évidemment, mais il faut pas toute la poncer, parce que tu vois là, il y a deux lignes ici, une là, c'est normal, c'est sur le vrai Tomcat aussi. Donc il faut la dégommer à partir de la moitié des cockpits, quoi, ici, là, et puis là. Il y aura même un décal à poser là, ici. Un petit ici et un petit ici. Regardez sur le Daco, vous comprendrez, vous verrez. Salut ours! Alors, au lieu du décal du phare du véhicule en bleu, ok, j'ai essayé le Molotov miroir, puis le bleu transparent. Ah ouais, non, ça marche pas, ça. Le bleu transparent de la résine, ça va, mais le Molotov en dessous, niette. Salut, Mougli. Le Molotov, quand tu l'as mis, il faut plus le toucher. Hein. Ça va, c'est pas une peinture qu'on peut repasser un truc dessus, ou je sais pas quoi, ou... C'est fragile quand même. Pép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 
Oui, papa hôtel, ne m'envoie pas d'avions qui ne sont pas disponibles en maquette, hein. Parce que nous, c'est pour faire des maquettes, hein. Donc tu vois, le LERD, le KR-31, je sais même pas ce que c'est, ça n'existe pas en maquette. Et du coup, ça sera pas consulté, hein. Ça sera des... Tu vois, il faut que je fasse quand même gaffe à la place sur mon disque dur, là. Donc le Spit, le Hawker Hurricane, tout ça, nickel. Le NER 1002, ok. Le Hurricane, ok. Le Spit encore, ok. Mais après, le reste, tu vois, si c'est des avions qui sont pas en maquette, ça sert à rien. Didier, tu as déjà des retours du concours de fin d'année? Bah oui, oui. Pour l'instant, j'ai une vingtaine de dossiers envoyés. Ok, Anto, à plus. Salut, mon belou. Voilà, donc là, pour l'instant, on fait l'intérieur. Et puis, on va masquer le centre, là, avec de la bande cache classique. Hein. Là, sur le papier, ils disent qu'il faut mettre de la... Comment dire, tu sais, du masque liquide, là. Mais j'aime pas ça, moi. J'aime pas le masque liquide. J'ai déjà eu des surprises, alors je préfère mettre des petits bouts de bande cache. Le Stagger Wing est disponible chez Dora Wing. Ah bah ok, alors si c'est dispo en maquette, pas de soucis. Salut Daniel. Alors là c'est dur sur le côté parce que... Un à poser. Salut Arnaud. Je suis en train de monter une Chevy 57 AMT. Je me tire les cheveux. Rien ne match. Ah bah oui, il y a de l'AMT, Jean-Luc. AMT, c'est des kits qui sont, tu vois, des modèles assez sympas, pas dispo partout. Genre cette Chevy 57, mais en, voilà, c'est pas cher, mais en échange, tu te doutes bien que tu vas pas tomber sur du Tamiya. Hein. Merci à ceux qui mettent les photos sur le Discord, on va les voir après. C'est sympa de montrer ce que vous faites. Salut Xavier, ça va? Salut Jade, excusez-moi hein, si j'ai oublié de dire bonsoir à quelques-uns. Voilà, nickel. Donc là, vous avez vu sur le... J'ai collé les trucs en plastique déjà. Hein. J'ai pas collé le truc à l'arrière parce qu'il faut le faire après. Il faut le mettre en peinture d'abord. Voilà. Donc maintenant, on va masquer les intérieurs. Enfin, ouais, ça. Avec un petit peu de bande cache. Alors.
Salut Hannibal. Concernant l'Apache Longbow, j'ai trouvé un truc sur YouTube, vidéo sur US Defense News pour la peinture, très intéressant. Ok Jean-Luc. À part poster des maillons de chenilles, oui, ça va, j'ai pas besoin de photos des maillons de chenilles, effectivement. Mais bon, ça m'étonnerait que vous soyez tous en train de monter des maillons de chenilles. Quoique. Pépépépépé. Voilà, petit à petit, tu vois, c'est long aussi ça, faire le masquage, mais quand c'est bien fait, on est tranquille après. Salut Paps, Clément, il y a la DeLorean qui doit donner un effet sympa avec Clément pour la faire léviter comme dans le film. Yes, on y avait pensé ça, la DeLorean. Mais à mon avis, il faudrait un truc un peu plus gros. Hein. Parce qu'il faut que ça soit quand même bien centré. Hein. J'ai testé ce matin sur plein de petits trucs là. Non, je crois qu'il est en train de manger mon floppy. Non, j'aime pas faire Arnaud, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, j'aime pas faire ça au liquide là. J'ai pas confiance. Tu vois? Parce que ça m'est arrivé une fois de faire comme au liquide là, tu vois, Arnaud, l'intérieur. Et puis en travaillant après en le prenant, bah, avec mon doigt, j'avais enlevé un peu de produit. J'ai pas fait gaffe. Puis après quand j'ai fait la peinture, bah, ma verrière, il y avait de la peinture sur la verrière. Là avec ça, comme ça, je suis tranquille, quoi. Tu vois? Je réserve le mascol pour les toutes petites surfaces. Parce qu'avec ça, la banque cash, je suis sûr à toi 3000% que la peinture passera pas, quoi. Je suis plus tranquille. Salut Julien, Julien Fabien, bonjour Didier, je suis passionné de maquettes de camions. Ah bah tu vas te faire des copains ici. Parce que, on en a des fanats de camions là. On n'est pas le seul. Des camions civils ou militaires? Tu fais un peu les deux, j'imagine. Floppy, il est là, mon petit Floppy. On se dit, il est encore au boulot ou il est en train de manger? Voilà, tu vois, une fois que c'est rempli, hop. Voilà, et là, tu es sûr à 100% que ça va pas bouger. Quoi. No way que de la peinture passe à travers. No way. Ouais, c'est long à faire la verrière.
Bon, c'est toujours moins long que le chenille, hein. Ok. Un bon entendeur. Alors attention avec la pince de jamais toucher la surface vitrée. Hein. De faire des petites griffes, hein, évidemment. Hein. Après mes 45 minutes de sport, assez bien mon floppy. Pour ce soir. Bah non, on va réserver les tartes au, je sais pas, au dimanche. Tu vois? Ou au samedi, quoi, au week-end. On va pas se manger de la tarte en pleine semaine, attends. Ça sert à rien sinon de faire 45 minutes de sport, hein, Bilout. Salut Nicolas. Salut Serge. Camion civil, par contre, on n'a pas beaucoup de monde ici, camion civil. Hein. Tu vas être le seul. On fait beaucoup de militaires ici. Hein. On se croirait parfois au chiffre des lettres il y a 40 ans. Ah ouais? Ah ouais, Floppy, c'est vrai que t'as ça aussi à faire. Un camion Paris-Dakar là, qu'on avait trouvé chez Fifi. Là. Une belle maquette, hein, la Zvezda. Là. Tu vois, ça va vite quand même, c'est pas non plus. C'est moins long que des chenilles. Alors, j'ai pas chronométré, mais tu vois là. Voilà, l'intérieur est complètement masqué. Là, il y a zéro risque que je mette de la peinture là-dessus. Tu vois? On va jeter un petit coup d'œil à Discord. Il y a vol. Alors, on va remonter un peu. S'il y avait des petits trucs là. Alors, il y a Philippe, attends, on va remonter là. Tony qui nous montre l'avancée. Bon, alors c'est, voilà, pas des balèzes de la photo, mais... Je vais te rapprocher un peu plus, Tony, et puis mettre ton appareil photo dans l'autre sens. Dick qui avance sur son... Voilà. Ouais, pas mal, hein. Ouais... Chouette. Philippe travaille donc sur un camion civil, tiens, on en parlait, il y en a un quand même là.
Regardez-moi ça. Super. Bon. Ange qui a passé la poêle sur son petit sel. Arnaud Leroux qui lui fait son F18 là, c'est ça? Non, si, oui, moi je sais plus. Hop, petit siège, bien. Juju, passage d'après sur la dernière pièce de mon Gundam en cours. Alors dis donc, il y en a des petites pièces là. Arnaud, stop la propagande d'un vieux dieu. Voilà, tu pourrais rajouter ceci à ton Yoda, il sera certainement content. Mais non, ah ouais, ah, j'avais pas vu la tête d'Armador avec la petite nana. Ouais, mais ça, ça pourra pas aller sur le truc, ça. C'est trop haut. Faut une pièce qui soit à la limite de toi, la forme d'un cube, d'un petit rectangle, mais là, c'est beaucoup trop haut, ça tournera jamais. Guillaume, bonsoir tout le monde, j'attaque ce petit loup de chez Tam Tam au 1,47. Au 1,47. Plutôt au 1,48. Futur du Rama avec figurine d'équipage, beaucoup de boulot. Yes. Ah, sympa. C'est génial, c'est énorme un B17 au... On a 48, c'est une grosse pièce, hein. Tu vas te faire un gros diorama là. Paps maquette, montage en cours. The Zipper, bah c'est ça que tu parlais Arnaud Luchon. Hein, ah c'est mes petites mimines. Panzer Division, Jean-Frédéric. Bon c'est le petit. J'espère que vous avez tous vu la vidéo les gars. Vous avez tous été sur la chaîne de notre ami Jean-Frédéric. Vous avez tous regardé ça là. Hein, donc le nom de la chaîne hein, pour ceux qui. Voilà, Panzer Division Aero. Et début de la peinture. Yeah. Gabriel. Un petit avion russe, ça mange pas de pain. Barre de traction, hein, génial. Ça sent bon ça, hein, quand on voit les petites marques comme ça là. Les petites variations tonales, magnifique. Bravo Gabriel. Mowgli, Porsche 930 de chez Tamiya. Yes. Ben voilà, tu vas être l'heureux possesseur d'une Porsche, Mowgli. Et Gabriel, quelques photos en plus. Oui, on voit la peinture, la top. Génial. Très, très belle peinture, très, très belle patine. Salut Quentin. Salut Gino. Très, très, très sympa. Chouette. Bon, alors maintenant qu'on a fait l'extérieur, l'intérieur, on va faire l'extérieur. Alors, c'est dans lequel maintenant? C'est pas dans celui-là? Non, c'est dans celui-là. Alors, je crois que c'est comme ça. Hein. Faut bien regarder hein, quand vous faites les trucs. Hein. Par rapport à la petite notice, là, tu vois. Bien faire gaffe les petits trucs et tout, si c'est bien positionné et tout. Ok, alors, on y va, dans ce sens-là, yes. Donc celui-là, c'est celui qui est là, ici. Donc celui-là, il va là. Voilà, l'extérieur c'est un peu plus facile, hein. On a un meilleur accès évidemment.
faut y aller tout doucement, avec délicatesse, tranquillement. Regardez, ça se fait tout seul. Voilà, on suit les lignes. Voilà, voilà. Hop. Hop. Vous voyez ? C'est vrai que les masques, c'est vraiment fastoche. Je fais précisément un B17G de chez Monogram 1/40. Ah, dis donc. C'est des grosses échelles, ça. Hein. 48. Ok. Alors, attends, je reprends un peu. Salut Merlin, tu vas bien? Voilà, tu vois? Cool. Dick, chut, voilà un breton. Mais t'inquiète pas, Dick, on va tous émigrer en Bretagne, t'as vu? Même moi, je vais toi réfléchir à la petite maison de retraite en Bretagne. Le matin, on ira tremper nos pieds dans l'eau. Midi, on ira chercher des coques ou des moules. Alors pour midi, on fera la sieste, le soir, maquette. Salut! Moi j'ai la même mer, mais plus bas. Bah oui, toi t'as l'île de Ré. Ouais, c'est vrai que c'est pas la Bretagne, mais bon. Ouais, c'est vrai, Floppy. Non, je te dis, on va se monter à un club. On va tous aller dans le même coin, là, le coin de René Luc, là. Thank you.
Voilà. Devant, arrière maintenant. Ils vont bientôt avoir leur indépendance comme les Corses. Ah, les Bretons ? Ben non, ça se fera jamais ça. Bien sûr que non. Les Bretons, leur indépendance. Qu'est-ce que tu veux qu'ils vendent des choux-fleurs ? Eh bien, je suis à l'envers là. C'est pas le bon truc. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. Alors, ça c'est dingue. Alors, attends. Tu vois là ? Attends, je comprends pas. Ouh, ça me prend la tête. Là, vers là, là, vers là. Ouais, tu vois, ça devrait être de l'autre côté. Ok, alors excusez-moi, je vais refaire un traficage. Hein. Que voilà, là c'est mieux. Ben oui, c'est mieux. Ça, je comprenais pas quand je me centrais. Je disais, mais merde, je bouge pas dans le bon sens. Évidemment, là c'est nickel. Un peu comme. Eh ouais, on va être bien là-bas. Alors, on continue. Pour adhérer à votre club, ben bien sûr les gars, attendez, évidemment, on va ajouter BZH derrière Plastic Dream, c'est tout, on va garder le même nom, hein. Tu vois, et puis on maquettera avec des chapeaux à galettes, là, comme ils ont, là, tu sais, les chapeaux noirs, là. Voilà, ça sera notre marque de fabrique. Et pour clore toutes les réunions, hop, tourner de bolet de cidre avec des galettes. On va apprendre le patois breton. C'est pas compliqué, tu rajoutes des wek tout partout. Donc voilà. Balwek, canarwek, calarwek. Voilà. On sera des vrais petits bretons. Oui Christophe, c'est ça, je l'ai pas filmé ça. J'ai tellement fait sur d'autres kits que j'avais un peu de temps cet après-midi là, tranquille. Fastoche, hein. Je suis Laura.
et je regarde de mon camion. Ah yes, cool. Bon, reste bien concentré sur la route quand même, hein. On va pas me rendre responsable d'un accident, hein, Jean-Luc. Sécurité, sécurité, sécurité. Didier, je crois que tu m'as oublié. Non, je t'ai pas oublié, Guillaume. J'attends un peu que... tu parles pour le colis. Oui, Guillaume, ne t'inquiète pas, parce que c'était le week-end, là, je pouvais pas te l'envoyer dimanche. Et lundi, c'est fermé, les mondiales relais. C'est à partir du mardi. Tu m'as dit trois fois, oui, pas de soucis, t'as le temps, tu peux prendre tout le temps que tu veux. En fait, tu me demandes tous les deux jours. Je vais te l'envoyer, t'inquiète pas, j'ai pas pu. Je dis, le week-end c'est fermé, ça sert à rien que je fasse des colis. Hein. Le colis il est en plein milieu de mon salon, donc je peux pas l'oublier. Ne t'inquiète pas. Je suis à l'arrêt pour la nuit. Ah bon, ça va. Ah, il y a ma fille qui est là, ma fille Babette. Quelle mouche te pique? Bah ma bête, c'est pour pas bouffer. C'est la lutte anti miam miam le soir là, tu vois. Parce que quand je m'inquiète, je pense jamais à bouffer. Je suis concentré sur mon truc, tu vois ma chérie. Et je pense pas au yaourt, au Mars, au Bounty, au BN et tout ça, tu vois. Alors que quand je suis devant ma série ou devant un bouquin, tout seul dans le salon, cette heure-ci, oh, c'est dur. Donc là, voilà, je me suis dit, plutôt que faire mes diètes l'après-midi, autant les faire le soir, comme ça, moi, je ne boufferai pas. Parce qu'après, quand une certaine heure est passée, tu vois, genre après, je sais pas, peut-être 21h, là, j'ai plus faim, après, c'est bon. C'est passé, quoi, tu vois. Donc, j'ai pas trop envie de manger des trucs... après 21h, mais de 19h, genre de 19h à 20h, oh là là là. C'est dur. Donc là, on faisait un direct, et ben hop, on est un peu sauvé, quoi. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour, on n'a plus qu'à faire le central. Et toi, ma fille, qu'est-ce que tu fais à cette heure-là sur YouTube? Hein? Quelle heure il est? 21h10, là. C'est pas l'heure d'aller travailler pas demain? Ah les gosses, hein. J'y vais. T'es le Carpio, ça va? Salut Tigrou. Tu ne manges rien? Si, j'ai mangé à 18h, tu vois, j'ai mangé un peu de légumes, un peu de bouillon de légumes, et roule ma poule, plus rien. Non, sinon après je craque, tu vois. Et là, d'habitude je craque pas, hein. Mais la semaine dernière j'ai craqué deux fois. C'est terrible, hein. Je suis sorti après à 19h, j'ai été au carrefour du coin, là. Et j'ai acheté un paquet de... C'était quoi ces trucs-là? Putain, c'est bon, ça. Ah, je sais plus, les petits biscuits au chocolat, là. Heureusement, c'était un petit paquet, il n'y avait pas beaucoup dedans. Et puis, deux jours après, j'ai craqué sur les petites crèmes au chocolat de... Ah, qui c'est qui fait ça? C'est Mamie Nova ou je sais pas quoi, là? Qu'est-ce que c'est bon, ça? J'ai acheté un paquet avec... Il y avait deux pots dedans. Je me suis dit, bon, bah, j'en mangeais un aujourd'hui, puis un demain. Ah, tu parles. À la même soirée, les deux pots, allez, vas-y, roule ma poule. Salut Jean-Luc.
J'ai mes espions qui m'ont dit que t'étais en live. Ni une ni deux, je suis venu vérifier si on me racontait des cracks. Ma chérie, quoi. Mon petit bébé. Mon petit bébé. On va le faire sur YouTube, mais t'es d'accord? T'es prête? Attention. Papa! Raconte aux gens pourquoi tu disais ça. Papa, toi et Christina, hein, c'était la même chose. Hein. Papa! Voilà. C'est Tina, pas moi, c'était toi aussi. Hein. Attends, tu crois que tu faisais comment, toi? Après, ta sœur, elle t'a imité. Évidemment. Comme si je confondais mes deux filles. Non, mais sans blague. Sans blague. Arrête, tu me fous la honte, j'ai une réputation. On est où, pas trop riche et bon, y aller. Malo, ils sont fabriqués en Bretagne. Ah yes. T'inquiète, babette, on surveille. Ouais, c'est ça. Ah, mais j'ai pas faim là du tout, tu vois. Là. Je pense à mes maquettes, tout ça. Tant qu'il n'y en a pas un qui sort une tarte aux pommes, là, comme notre... Enfin, je dirais pas de nom, mais enfin, bref. Tout va bien. Je suis en totale maîtrise. T'as fini dans ton abbé, Babette? Mec, il va régler... Ma fille qui est à Bordeaux. Du côté de Bordeaux. Qui a rencontré un Bordelais, c'est ça qu'on dit, un Bordelais? Ou un Bordeleux, je sais plus. Bordeleux, Bordeleux, Bordeleux. Ah, t'as arrêté, hein? Bon, ok. Papa, bordelais, papa, voilà, bordelais. Bah, Bordeaux, c'est pas loin, l'île Gorée, non? Enfin, pas loin, je veux dire, c'est dans le... C'est plus proche de l'île Gorée que de la Bretagne, quoi, quand même. Hein. Alors, voilà pour la Verrière. Vous voyez que ça va quand même vite plutôt que le Mascol, hein. Et puis c'est plus sécurisant quand même. Hein. Oui, 1h30, ben voilà. Mais ça picole à Bordeaux, chacun son bis. Oh, ça picole partout, toutes les régions. Il n'y a pas une seule région où il n'y a pas... Attends. Dans l'Est, je te raconte pas. En Bretagne, je te raconte pas. Dans le Nord, les ch'tis, je te raconte pas. Bisous papou, attention les filles. Hein. Oui, oui, ma chérie, t'inquiète pas, on va faire attention. A plus, ma chérie. C'est mon petit bébé, ça. Elle est sympa d'avoir fait un petit coucou à son papou, elle l'oublie pas. Hein? Voilà. Alors on continue le masquage. Hein.
En Normandie, bah ouais. Voilà, c'est un travail de patience. Dans le calme, ça va relativement vite. On a fait une verrière tous ensemble. Ça fait combien de temps? On va mettre même pas une heure. Et encore, hein, moi j'ai parlé à blablabli, à blablabla. Mais sans discuter, vous allez mettre quoi? Allez, 45 minutes pour faire une verrière complète. C'est pas énorme hein, comme temps, quoi. Et à Marseille, le pastaga, bah oui, ça picole partout, on est une nation de picoleux, d'alcoolo, attends. Au nord, au sud, au centre, à l'ouest, partout on picole. Voilà, moi je me sens plus sécure avec ça. Ouais, faut quand même faire gaffe au passage, hein. Faut pas noyer ça sous une tonne de peinture, faut y aller avec des petits voiles fins. Mais généralement, quand j'enlève tout, c'est nickel. Hein. Voilà, allez. Zo, roule ma poule. Impeccable. Donc là, demain, j'aurais pu qu'à poser le dernier sur l'autre, là. Mais ça, les verrières, on peut dire que c'est masqué. Voilà, quoi. Ah là 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 là. La Mirabelle dans l'Est, la bière et la Genève Neuschnur. Ben, j'en ai de la Mirabelle, puis de la bonne en plus. Et la bouteille, elle va durer 20 ans parce que j'en bois un verre à l'année et encore. La Mirabelle de l'Est, bah ouais. Et la bière et le Genièvre dans le Nord. Bah ouais. Sur ma dernière verrière, la peinture est passée derrière les mêmes bandes caches à l'aéro. J'avais pourtant bien lissé. Bah non. Ça va, c'est parce que tu mets trop de peinture. Il faut y aller mollo quand même. Hein. Faut mettre des couches fines. Hein. Mais c'est partout, ça. C'est pas que sur la verrière. Hein. Partout, faut mettre des couches extrêmement fines. Hein. Tu vois. Là, je regarde qu'il y a un petit truc là, en voyant, en regardant. Après c'est sûr que si tu fais des couches mouillées énormes machin que t'insistes comme un dingo ben ouais. J'ai acheté un fût qui reste chez un producteur et il me remplit des bouteilles quand j'en ai plus. Ah bah ouais, bon plan ça. La tasse magique, bah ouais. Ouais ouais ouais. Bon. Ouais, Papa Hôtel, j'ai jamais testé, mais pourquoi pas. J'ai entendu que ça marchait, why not? Alors, continuons notre
Ça, je vais le mettre juste là parce que Thomas en a encore besoin. Ça, on va, tu penses bien, hyper bien la protéger. Et le Spitfire, il tourne. Il tourne depuis ce matin. Hein. Alors. Parce que je vais le laisser tourner quelques temps, voir si ça chauffe, si l'aimant il chauffe, ou... tu vois. Parce que c'est censé être branché, il n'y a pas de bouton on-off. Hein. Tu le branches et tu peux le laisser comme ça 10 ans, hein. Ça tourne. Mais je vais le laisser 2-3 semaines, voir si l'aimant il chauffe un peu ou s'il chauffe pas, ou enfin voir un peu ce que c'est pas, tu vois. Je me doute bien que ça ne chauffe pas comme un... Enfin, tu vois, ça va pas devenir bouillant, mais... Santé à Luciano, yes. Le secret d'une bonne peinture, eh bien, c'est une multitude de couches fines. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il y a un petit papillon, là. Il adore se poser sur ma tête. Oh! Bon, donc ça, c'est fait. Ok, ça, c'est fait. Alors, on a masqué, on a mis ça. Ça, c'est fait monter aussi. Voilà, c'est ça que je disais là, tu vois, il y aura deux petits décals à poser sur la verrière là. Tu vois, le long des lignes là. Mais on fera ça à la fin, bien évidemment. Alright, tournons. Donc ça en place non yet parce qu'on n'a pas encore fait la peinture. On va attaquer le montage des becs de bord d'attaque. T13, T5, etc. etc., etc. Ok. Et ça, tout l'intérieur est en rouge, donc ça va falloir les peindre à part, les monter, machin, tout ça, les masquer, après, voilà, ça va être un truc. Chez moi, la Mirabelle, il y en a tellement qu'on la met dans les crêpes. Ah putain. C'est qui Luciano, les gars? Ah. Alors Luciano, c'était un abonné, là, il y a longtemps déjà, hein, ça fait 4-5 ans. Hein. Et puis un jour, bah, je buvais ma tisane, tu vois, comme là maintenant, pendant un direct, ou je sais plus quoi, ouais. Et le gars, il m'a laissé un commentaire, il m'a pourri, quoi, en disant que c'était mal poli, que ça se faisait pas, que c'était intolérable de me voir boire sur YouTube, que j'avais pas le respect de mes abonnés, que je me foutais de la gueule des gens. Donc je l'ai viré. Mais depuis, bah, à chaque fois que je bois un truc ou que je mange un truc, à la tienne ou chez nous, on pense à toi, on t'aime. Voilà pour l'histoire de notre petit Luciano. Tiens, il y a des petits trucs sympas là. Alors, ça on a vu la main, ça on a vu ça. Ah bah c'est Christophe, ouais, tes petits véhicules là. Ça se monte tout doucement. Sympa. Eric André, moi aussi, faut pas croire, mais c'est rangé. Ouais, ça va. J'ai vu pire, hein, Eric. J'ai vu beaucoup pire. Hein. Mise en après ce soir de ton petit sous-marin, génial. Ah ouais, là c'est le truc de... comment? D'Albator, là, j'ai oublié le nom. Albator, Albator, le roi de l'univers. C'est ça? Hein? C'est un traquement de point d'envol. L'Arcadia, ouais c'est ça, l'Arcadia. Bon, allez, on attaque mes trucs parce que là, ouais, on est quand même là pour maqueter, les gars. C'est bien beau, la papote, mais blablabla. Hein. Alors, la grappe T. C'est ça, la grappe T? Je crois, hein. Yes.
Alors, voilà la fameuse crabe T. Faisons son bien, parce que là on peut déconner, parce qu'il y a plein de petites pièces, donc on peut se tromper. Une fois chaque étape finie, nous dit Christophe, comme les décalages, je ferai les plus belles photos et j'expliquerai mon retour sur le kit sur le forum. Yes, Tigre Rouge, je préférerais Ulysse 31. Ok. Alors, T5 ensuite. Right. Et le T6 est réglé sur le T7. J'ai eu des nouvelles de Luciano, il est mal en pendant maintenant tellement ses oreilles vont siffler. C'est possible, hein, le pauvre. Il doit regretter, il doit dire « Oh putain, j'aurais dû fermer ma gueule. J'aurais dû me taire. » Je regarde sur le bouquin après qu'est-ce qui est rouge là-dedans, qu'est-ce qui est machin, comment ça se combine tout ça, parce que il faut que j'ai une bonne vision de la chose là, parce que je sais pas si je vais assembler des pièces avant peinture ou autre. Ça comme ça, right. Il faut assembler ça comme ça. Ok, ça comme ça, j'imagine. Ok, et après. Comme ça, donc si tout ça c'est rouge et après ça va être collé comme ça sur le bord de l'aile. Ouh là 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 là, là il faut faire finot, hein. Voilà.
des petits. Attends un peu. Pop, 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 pop. Ok. Et les petites pastilles, là, je me demande si on va les voir ou pas. Tu vois? Bon. Salut Kid 28. Je me demande si je vais pas craquer l'année prochaine sur le Faucon Millennium de Bandai en 72 avec l'aide fournie dans le kit. Ah bah ouais. Ouais Floppy, merci de rappeler ça. Ok, donc ils disent que tout ça à l'intérieur c'est XF7, donc rouge. Ok, et que là-dessus, il n'y a que les montants là qui sont rouges. Non, même pas, mais non, qu'est-ce que je raconte. XF63, 63 ça c'est une couleur métallisée je pense. Gris, ouais, bon, ok d'accord, gris. Et que là, donc, du coup, cette partie-là... Ok, tout le haut, là, il doit être rouge. Ok. Et après, comment ça se monte sur l'aile ? Donc il va falloir masquer alors pour quand on va faire la peinture finale. Masquer l'intérieur comme ça, comment on va faire ça? Parce qu'une fois qu'il va être sur l'aile, tu vois, je vois pas comment on va masquer ça. Hein. Bon, de toute façon, on va être obligé, donc c'est pas une question, on va pas se prendre la tête. On va regarder déjà sur le bouquin parce que je veux me rendre compte comment c'est dans le vrai truc. Tu as un nouveau fan Didier sur le Discord. Ah ouais, c'est qui? Ah! Enfin, t'es chaud, c'est un serpent. Qu'est-ce que c'est comme serpent? Ah, qu'est-ce que c'est comme bestiole? Ça bouffe des souris, ça bouffe des trucs, non? Elaf Gutana. C'est le nom du serpent, bah putain, c'est... Serpent des blés. Ça bouffe des Didier. Bon, bah, il peut. Hey, il en faut plusieurs pour bouffer à Didier. Il en faut pas qu'un. Hein. Non, mais il est beau comme ça. Hein. Il est à sa taille adulte là ou il va encore grossir là? Hein? Il va encore prendre de la taille? De la masse? Ouais, alors je vais garder les slats. Parce que je suis un mec curieux et je veux voir.
Je préfère les lapins. Ouais, moi aussi, un peu quand même. Moi, j'ai une mygale. Oh non, j'ai horreur des serpents. Oh, oh. Tu le retrouves dans les draps. Encore les serpents, j'ai pas trop peur. Ça va, c'est les araignées, moi. Oh putain, les araignées, je peux pas. Un petit peu, il va encore grossir, mais pas... Ouais, ok. Non, ça va, les serpents, j'ai pas trop peur. Moi, c'est les araignées. Ouh. Ah, voilà les slats. Alright. Alors, pas ici, là. Hein. Alright, bon. Ah ouais, ouais, ça bouge tout l'intérieur. Donc, il va falloir que je masque ça, quoi, tu vois. Tu vois, c'est la pièce qui est ici, là. C'est le bord, il va... Alors, attends. Qu'est-ce que c'est compliqué. Alors. Ça, c'est le bord de l'aile. Ça va être sur l'aile. Il va falloir masquer. Bon, on le fera avec des petits morceaux de bande cache et tout ça, quoi. Tu vois, on voit qu'il y a des petites aussi, des petits morceaux de scotch blanc, là. Ça, on pourra faire ça, ça sera sympa, ça. Ça fera un petit plus. Moi, je suis plutôt bœuf. Ouais, moi, j'ai jamais eu d'animaux comme ça chez moi. J'ai eu des poissons, j'ai eu un chien, ouais. Mais des araignées, des serpents, des je sais pas quoi, là. Des lapins, même des lapins, j'ai jamais eu de lapins. Bon, alors, voilà comment c'est. Ok. Donc c'est pas mal. Et là tu vois il y a une bande rouge aussi après sur les volets, quand les volets sont baissés. Bon là ils vont pas être baissés parce que... Bon. Bah, un tout petit peu je crois, au décollage, hein, ils sont un tout petit peu, il faut voir un peu là. Ouais ils sont baissés, bah oui un peu. Donc on va devoir faire ça aussi là, la petite truc rouge là. Ça ajoutera une petite pointe de couleur, tu vois, ça va faire sympa. L'appareil est tout gris. Ça va être sympa d'ajouter une petite trace de rouge. Non, non, ils sont sortis, Papa Hôtel. Tu vois? Bah, pour avoir un peu plus de portance, j'imagine, tu vois? Bon. Ok. Bon, bah, on va les monter. Maintenant que j'ai vu comment c'est à peu près, ça se combine, là, je comprends la chose. Non, c'est pour ajouter des points chromatiques, Floppy. C'est de la précision. Hein, c'est de la. Tu vois? Voilà. Ah ça va, ça les blindeux, bah oui, les blindeux. Le char, il est toute la même couleur. Bon. Deux couleurs des fois, trois couleurs. Non, non, nous c'est autre chose. Nous c'est de la. Ah, c'est de la haute précision, tu comprends? Alors, on va assembler ça. Et là, je vais sortir mes petites pinces parce que j'ai l'impression que ça va... Il faut que ça soit bien collé, bien droit et tout ça, quoi. Alors, la colle.
Et il y a les punaises de lit aussi, c'est très affectueux. Après, je vais trouver un petit bâton de ponçage pour bien poncer. Voilà. Il faut que la, tu vois, que ça soit nickel là. Tu es à la retraite? Non, pas encore. Dans 4 ans, normalement, 4-5 ans. Ah, quand tu le perds, ah bah ouais, j'imagine, Bulma, ça doit être galère. Bon, alors. Donc là, c'est un peu délicat à coller. Hein. Voilà, il faut y aller. Avec précision. Il faudra bien faire gaffe de poncer le bord là. Voilà. Don't touch anymore. Bon, alors
ça c'est le côté droit, on va faire le côté gauche. T12, T14. Qu'est-ce qu'il y a, mon floppy? Mon chien faisait du massage cardiaque à mes poules qu'il venait de décapiter, pour te dire. C'est quoi cette maison, putain? Salut David! Ah, je sais pas, c'est des jazz fusion, c'est du jazz, yes. C'est une playlist jazz. Poncer les petits plots, bien les enlever là, les petits plots d'attache. Salut Sylvain, tu pensais pas qu'un chien pouvait manger un serpent? Oh si, il y a des chiens. Tu sais que quand j'étais, je vous avais jamais raconté ça. Quand j'étais môme, j'avais un chien, un fox terrier, que j'avais appelé Rack. Et tu sais, dans le Nord, on faisait des concours de chiens avec des rats. On avait des... Au fond du coron, là, il y avait une espèce de ring, tu vois, là, un truc carré, là, avec du grillage. Et on faisait des concours, c'était tous les deux, trois mois. Et tu mettais des... Alors, il y avait plusieurs sortes de concours. Il y en avait un, c'était des pots de fleurs. Alors, tu mettais 9 pots de fleurs dans le truc, tu vois, répartis comme sur un dé, là, tu sais. 9 pots de fleurs. Et sur ces 9 pots de fleurs, il y avait 3 pots de fleurs où il y avait en dessous un rat. Les autres, ils étaient vides, hein, tu vois. Et tu lâchais le chien. Et le chien, par le trou au-dessus, là, il sentait, tu vois. Alors, il fallait le dresser, c'était des chiens dressés. Hein. Tu vois, ils sentaient où il y avait les rats, où il n'y avait pas le rat. Et quand ils se mettaient sur le... Quand ils sentaient le rat, on mettait le chrono en route quand ils touchaient le... Quand ils soulevaient le pot de fleurs. Jusqu'à temps qu'ils tuent le rat, tu vois, puis on arrêtait le chrono. Tu vois. Et t'avais des clébards, je te jure, c'était des... Pour moi, le mien, il n'était pas terrible, mais... T'avais des chiens, putain... Ils éliminaient tous les pots où il n'y avait pas de rats. Ils poussaient les pots sur le côté pour pas que ça les gêne, tu sais. Et après, donc, il restait 3 pots de fleurs retournées dans le ring. Et un par un, tu vois, ils se mettaient sur le pot avec le museau comme ça, tu vois, la patte sur le côté, parce qu'ils savent, tu vois, ils ont été entraînés, ils savent que le juge, il va mettre le chrono en route dès qu'ils ont soulevé le pot, tu vois. Et là, d'un seul coup, mais en 2 secondes, quoi, un coup de patte dans le pot, le rat il se barre, un coup de dent, crac, le rat mort. Le mec, putain, des fois, à peine une seconde. C'était sympa ces concours-là. Il y avait les concours comme ça au pot, et après il y avait le concours à... Bah, tu mettais le chien dans le ring, et puis tu lâchais un rat. Et puis on calculait le temps qu'il mettait à tuer le rat, quoi. À choper le rat et à l'attraper. Alors, il y avait des fox terriers, beaucoup de fox terriers. Et il y avait des bulles terriers. Et les bulles, c'était pareil. Hein. Ouh, les bulles, putain. C'est le bulle, il a ses yeux sur le côté déjà. Donc le rat, il peut pas. Tu vois, c'est des chiens qui ont été faits, créés, tout ça, pour la chasse au renard, tu sais. Ils peuvent mettre leur tronche entière dans un terrier de renard.
tu vois. Et le renard, il griffe avec ses pattes. Lui, il s'en fout parce que il a ses yeux sur le côté et il a une grosse bosse, là, c'est de l'os, en fait. Tu vois, le renard, il peut griffer autant qu'il veut. Tu vois. Et lui, la rapidité avec les rats, putain. Et pour les champions, il y avait des trucs de démonstration. Tu lâchais 10 rats dans la cage, là, 10 rats, et après tu lâchais le chien, tu vois. Et puis là, pareil, chronomètre jusqu'à temps qu'il ait dégommé les 10 rats, tu vois. Et ben, je t'assure qu'il y a des chiens, putain, 4, 5, 6 secondes, hein, pour 10 rats, hein. Paf, 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 coup de dent, tu vois, clac, 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 clac. Oh, c'était super impressionnant. Et puis dans les années... au début des années 80, quand je me souviens, c'était quand Mitterrand, il était tout juste élu, donc genre 82, tu vois. Il y a des associations de protection des animaux qui ont gueulé, quoi, déjà à l'époque, tu vois, en disant que c'était vache, quoi, de faire ça pour les rats et tout, c'était pas bien, quoi. Et puis ça a été interdit après, bon. Ouais, dans le Nord, c'était ça, il y avait des combats de coqs. Et puis il y avait aussi des combats des concours de javelot, là. Il y avait beaucoup de javelots, hein, dans le Nord. Hein. Dans les petits bistrots, là, les petits bars. Alors c'est pas le javelot, la lance, hein, qu'on jette comme aux Jeux Olympiques, là. Non, non, non. C'était des grosses fléchettes, quoi. Des fléchettes qui faisaient oh, un kilo et demi, avec des plumes au bout, là, tu vois. Ça faisait de la taille, genre, je sais pas, 30 cm. Et puis, t'avais une cible, là... je sais plus, 6-7 mètres, généralement un truc en paille, tu vois, voilà. Et puis les mecs, ils se mettaient à 6-7 mètres, et ils lançaient les javelots un peu comme on lance, pas comme on lance une fléchette, tu vois, un peu comme on lance une boule, tu sais, à la pétanque, là. Tu vois. Et dans tous les fonds de bar, il y avait un truc comme ça. Des concours de javelots et de tirs de javelots. C'est marrant, hein. Donc vous vous amusiez à chercher des rats. Et ouais, il y avait la veille des concours, il y avait c'était les mecs qui s'occupaient des poubelles, là. Ils nous ramenaient des poubelles remplies de rats. Je sais pas comment ils faisaient pour les choper, hein. Le rat n'est plus invisible maintenant. Ah bah si, bah non, si, c'est encore invisible, hein. Non? Non, mais c'était des associations de, tu vois, puis on avait un maire qui avait un peu peur de voir, je sais plus ce qui s'est passé, là, mais... Bon, c'est vrai qu'à la fin, quand il y avait des grands concours, tu vois, c'était le samedi soir, généralement, à la fin, t'avais, sur le côté, il y avait... Des fois, tu sais, des grosses poubelles en plastique noir. Là. T'avais 5-6 poubelles remplies de rats. Il y avait du sang partout. C'était dégueulasse. Hein. Parce qu'après, les chiens, quand ils avaient tué les rats, toi, le truc avec 10 rats, là. Après, il fallait le récompenser. Donc, il fallait le laisser jouer un peu avec les... Tu vois, c'était sa chasse, quoi. Donc, il prenait un rat ou deux, il les bouffait, il les étripait. Il y a des tripes partout. Oh là là là. C'est vrai que c'était pas très... Oui, mais tes gosses, on aimait bien. Moi, j'aimais bien aller voir les concours de rats, là. Dans ma cour, j'ai 4 chats et les rats ne viennent pas. Bah ouais, ça c'est sûr.
Vous avez de la chance, ça devait être des nids à maladie, ces trucs. Oui, bien sûr, mais bah ouais, on faisait pas. Enfin. On faisait attention, quoi. Mais il n'y a jamais eu d'infection, je sais pas quoi. Oui, non, c'était spécial, hein, c'était spécial. C'était notre époque. Hein. Notre époque. Maintenant, tu imagines ça maintenant, même peu importe dans quelle région de France, voilà, t'as toutes les assos. Oh, le scandale. Puis les chiens aussi, ils saignaient, hein, parce que les rats, des fois, tu vois, ils se retournaient, ils donnaient un coup de griffe ou je sais pas quoi. Si le chien, il le tuait pas assez vite, le rat, il pouvait le griffer, tu vois, dans son museau et tout, ils avaient du sang partout. Hein. Combat de coq, c'était pareil, hein. Il y avait beaucoup de sang, hein. Il y avait, voilà, ça y allait. Hein. Parce qu'après, c'était pareil, quand le coq gagnant, il avait gagné, alors son patron, il le prenait, et puis il laissait jouer un petit peu avec le cadavre de l'autre. Hein. Donc là, il y avait du sang partout, c'est de la triple là-dedans. Maintenant, on met des Marseillais dans une villa pour qu'ils se battent. Ah oui, bah ça, Marseille... Ils se shootent dans la rue maintenant. Oh là 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 là. Alors. La reconcentration, parce que c'est encore un peu... peu délicat. Les histoires de chiens avec les rats, il n'y avait pas que dans le Nord. Hein. Parce que des fois, il y avait des cocos, il y a des mecs qui venaient de l'Est, d'autres régions de France. Hein, donc ça devait être aussi dans d'autres régions de France. Hein. Parce que souvent, c'est des concours régionaux, tu vois, entre Coron, enfin, tu vois, dans le Nord, quoi. Mais il y a des fois, il y avait des concours, il y avait des mecs qui venaient de loin, il y avait des Belges qui venaient aussi. C'était pas que dans le Nord. Hein. Voilà, je regarde que ça soit bien à champ. Yes. Salut Géo. Arrêtez avec les Marseillais, la Guadeloupe et le 93 sont devant au score de mort par arme à feu. Oui, j'en doute pas, mais enfin, les Marseillais, c'est dans la rue. Sur la place du marché, au bistrot, le dimanche matin, il y a les familles, les enfants. C'est ça le problème. Après, que les voyous se tuent entre eux, hein, je vais te dire un truc. Un par un, c'est bien, deux par deux, ça irait plus vite, hein. On s'en fout. Hein. Tu vois, le problème, c'est qu'ils le font des fois, voilà, à la place du marché, dimanche matin, 10h30, il y a des gamins qui jouent dans le square à côté, et boum boum, ça canarde. C'est ça le problème. Donc les voyous, que ce soit dans le 93 ou à Marseille ou je sais pas où, qui se tuent entre eux, au contraire, on devrait les encourager. Hein. Tu vois ? La CAF, elle devrait leur donner une petite prime à chaque fois que, tu vois,
Ça va aller plus vite, on se fait débarrasser dans pas longtemps. Mais quand ils le font dans la rue, puis qu'il y a des familles, qu'il y a des femmes, des civils innocents qui sont touchés, là, c'est ça le problème. Là, il y a encore une dame, là, une petite dame qui s'est fait tuer carrément, hein, une balle perdue. Salut Gilles. Bon, on continue maintenant avec les flaps, les volets. Donc T9. C'est bien quand tu parles maquette. Bon bah je parle maquette alors. Ça veut dire qu'il faut que je me taise, c'est ça, Laurent? C'est bien quand je parle maquette, mais quand je parle pas de maquette, c'est pas bien. Ah bah je te dis ce que je pense. Hein, moi. Alors voilà la pièce. T9. Donc là sur ce kit vous n'avez pas le choix, hein. Vous pouvez pas acheter ce kit là et puis dire oh bah tiens moi non je vais pas le monter au décollage, je vais le monter parce que tous les volets, les machins, tout est prévu pour que ça soit un appareil au décollage. Hein. Croustillante du temps qu'on n'a pas connu, pour certains c'est sympathique. Ouais, bah oui, ça n'existe plus maintenant ça. C'est un autre temps. Trois dealers sous un pot de fleurs, ça pourrait être amusant comme concept. Mais il faudra des gros chiens. Hein. Salut Marc. Ah mais je veux dire que les voyous qui se tuent, qui se tirent entre eux, ça a toujours été, hein, tu vois. Le problème c'est que voilà, il faut pas qu'ils fassent ça quand il y a... font ça dans la rue et puis qu'il y a des gens, des innocents à côté, quoi, voilà. Floppy, moi je retrouve pas ma pièce sauteuse. Oh mon biquet. Oula, qu'est-ce qu'on m'envoie, navré Didier, quoi. Mais non Guillaume, t'inquiète pas du tout. Mais non. Tout va bien. Les pneus, Chris, mais ça fait déjà plein de fois que tu vois, pourquoi tu me dis bonsoir juste maintenant? Ah, tu réponds, hein, pardon, excuse-moi. Ah, tu disais bonsoir, j'ai déjà vu ton pseudo. Ça va, Marc? Bon, alors, là-dessus, on va mettre tous les petits... Tac. Voilà. Go, on commence. Là, c'est la grappe U. Donc on va sortir la grappe U, c'est pas un problème. H. E. E. Dernière que je vais prendre, quoi, celle qui est tout au fond du truc, tu vois.
Bah, qu'est-ce que je te disais ? La dernière, au fond de la botte. Bon, on commence par U31. Putain, bah, il faut y aller, parce qu'ils sont tous différents. Hein. Donc, je vais les faire une par une, pour être sûr de pas... de pas me gourer après au collage, quoi. Salut Arnaud! Je t'en prie Arnaud, pas de soucis. Ça fait deux fois que je casse le pas de vis de la buse de mon aéro. Ça vous arrive aussi? On va jamais, non? Qu'est-ce que t'as comme aéro, Martin? Ah, t'as le petit chat Amazon, là? Faites ça les copains, faites-le un par un, parce que sinon il y a des pièces qui se ressemblent vachement. Si vous vous trompez, ça va être compliqué après de passer les volets sur l'aile, quoi. Fanda, bah ouais, 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 bah oui, ça c'était, voilà. Là t'as fait ton, comme tu dis, t'as fait ton bourrin. Attends. Il est mon petit Fanda. Tu vas au bout là, c'est ça? Bah, tu vois, moi. Hop. C'est ça que tu parles. Avec la petite clé là. Faut pas le serrer beaucoup, hein. Tu vois, dès que tu sens une résistance, t'insistes encore un tout petit peu et zou, t'arrêtes, c'est bon. Hein. Il y a des mollo, ce format. Sinon, si tu forces, bah ouais, évidemment, tu casses le truc. Hein. Alors, petite pensée pour les ch'tis, je vais me faire les mini fricadelles à la grecque. Me faire des mini fricadelles. Bon appétit, Bulba. Ah bah ouais, Guillaume, ouais, bah ouais, ouais. Avec l'Italérie. Théophile, comment as-tu trouvé le temps de maqueter dans les moments chargés de ta vie, pro notamment? D'ailleurs, je demande aussi à tous ceux qui bossent pas mal à côté parmi le chat. Et bah, bon, moi déjà, j'ai jamais regardé la télé, tout ça. Donc, je passe pas des heures devant la télé le soir, donc généralement je m'inquiétais le soir. Mais dans les moments de ma vie où j'étais très occupé, où mon épouse était encore là, quatre enfants en bas âge et tout, ben, je m'inquiétais pas, c'est tout simple. Hein. Pas de maquette, hein. Pas le temps. Hein. Des fois le week-end, je sortais mon truc, tu vois, je mettais un an pour monter un kit. Quoi. Des fois le week-end, je sortais comme ça, une demi-heure, j'avais le temps, une heure, bon. Les vacances, une petite heure là, une petite demi-heure là, tu vois. Mais on m'inquiétait pas du tout, hein, tu vois. Il n'y a pas vraiment de secret. Hein. C'est super bon. Non, mais bon pour le goût, mais moi je parle pour le cholestérol, le cul et le et la santé, Bulma. Tu vois, je crois que tu n'as pas ce genre de soucis. Ouais, c'est ça, moi quand j'étais en plein, toi j'avais 30-31 ans, je montais à, ouais, un kit par an, quoi. Bon, maintenant on se rattrape évidemment, hein. Martin m'abuse, se bûche souvent. Bah ça aussi c'est pas normal, ça doit pas se boucher, ta peinture elle est mal, tu vois. Mauvaise dilution, des choses comme ça.
J'en connais qui montent un kit tous les deux ans, mais qui en achètent un par semaine. Oui, moi j'en connais aussi, oui. Mais il faut être précis. Du 40. Ah oui, Théophile, il y a des périodes de la vie comme ça. Il faut faire ses priorités. Hein. Et là, toi, ta priorité, bah, c'est tes études, évidemment. Hein. Bah, dis-toi qu'à un moment dans ta vie, bah, tu auras un peu plus de temps pour les maquettes ou pour autre chose, hein, si d'ici là tu as une autre. Tu vois. Salut Amien. Le plus difficile, c'est de garder la motivation sur les gros kits, ouais. Mais après, il faut adapter ses kits à sa, justement, sa façon de maqueter, quoi. Tu vois, il faut être raisonnable aussi, hein. Quand t'as pas le temps de maqueter parce que tu as une vie professionnelle ou familiale, etc. Ou que tu habites dans un tout petit studio de 14 mètres carrés, bah acheter des bombardiers, des B-17 ou un 32 à gogo, bah oui, il y a un problème, hein, ça va pas. Hein. Il faut un peu adapter son truc, tu vois. Maquette passe après les conjoints, après les enfants, après le boulot, bah oui, évidemment, c'est une détente justement pour tout ça. Hein. Ah ouais, j'y sais, bah, comme beaucoup d'entre nous. Hein. Ouais. Moi, je le sais bien, hein, dans les reprenants, comme on dit, ceux qui reprennent la maquette, c'est souvent le même cas. Hein. Ils ont fait de la maquette à dos, et puis voilà. Après, ils n'ont pas le temps de faire de la maquette pendant toute leur ascension professionnelle. Les enfants, l'épouse, hein, voilà. Et puis quand les premiers petits enfants, quand les enfants pardon, commencent à se barrer de la maison, au boulot ça commence à se calmer, ben là on se dit, tiens, hein, sympa la maquette. Et c'est vrai que les techniques ont beaucoup changé, bah oui, évidemment. Et elles auront encore beaucoup changé dans 25 ans. Hein. Quel âge mini, à votre avis, pour démarrer? Mon premier va avoir 6 ans. Mais j'ai peur qu'il soit encore trop petit pour la patience, tout au moins. Ouais, moi au début, c'était l'ego, hein, mes enfants. Voilà, jusqu'à, je sais pas, 9 ans, 10 ans, c'était les Lego. Plaisir de monter une petite truc en Lego à côté de moi, quand je faisais des maquettes, là, ils faisaient leur Lego. Et puis après, 11, 12 ans, ouais, ils ont fait un petit peu avec moi, mais pas beaucoup. Mon fils Louis, non, pas du tout, ça l'a jamais intéressé, lui. Mon fils Yvan, oui. J'avais monté le Bismarck au 1350 là, de chez Tamiya avec moi, hein, mais il avait fait entièrement tout seul la peinture et tout.
Voilà, il est en pleine ascension professionnelle, des enfants, tout ça, donc il ne m'inquiète plus, mais je pense que quand il sera à mon âge ou toi, à la retraite, ça va le réintéresser. Parce que c'est un gars, c'est un manuel, il aime bien bricoler, il aime bien. C'est un gars précis, enfin tu vois, il aime bien les choses précises et tout. Je pense que ça va lui revenir plus tard. Voilà. Alors, tu vois, en faisant un par un comme ça, c'est peut-être un peu plus long, mais on est sûr de ne pas s'être trompé dans différentes petites choses là. C'est quand même un peu plus sécurisant, je trouve. Et là, maintenant, par le dessus, on va coller la pièce T2. Qui est... ici. Ouais, petite maquette en bois, Lego technique, tout ce qui est, enfin tu vois, petit assemblage, maquette, machin de table, qu'ils assemblent des petits trucs avec leur petite mimine là. Voilà, salut Didier, t'es de nuit, ouais c'est ça, ouais voilà. Service de nuit, comme on dit. Ah mais là moi tu vois, regarde, quelle heure il est, 10h là, bah tu vois, j'ai pas pensé à bouffer. Impeccable. Là, je dois poser ça là. Putain, tam tam, c'est vraiment nickel. Hein. Ok, allez, on sort les petites pinces, on prépare les petites pinces. Je me suis lancé dans le Panzer 3 XS, c'était la mauvaise idée, hein, ouais. Parce que ça c'est un kit, c'est long, assez long à monter, ça prend beaucoup de place. Moi je pense vraiment, Théophile, quand on est comme ça, tu vois, qu'on n'a pas le temps, ou par le boulot, ou par les études, mais qu'on aime bien de temps en temps, bon, on trouve une petite heure, on veut maqueter, il faut faire du 1,72. C'est petit, ça prend pas de place, même pour ranger après, tu vois, ça prend pas de place, les boîtes sont pas chères. T'es jeune, t'as une vision parfaite, donc le 1,72 ça va pas te poser de problème. Une fois que le kit est monté, bah, il prend vraiment pas de place, tu vois, sur une étagère. Généralement, on n'a pas la place pour mettre des gros trucs. Le 1,72, c'est parfait. Bonsoir, comment s'appellent les lunettes que tu mets pour mieux voir? Ça s'appelle un casque loupe, Benjamin. Je t'en prie. Ben ouais, puis généralement, c'est quand on est jeune étudiant, on n'a pas non plus des centaines d'euros à mettre dans des kits Tamiya, des aéros, machin, ceci, cela.
le 1,72, tu vois, 10-11 balles, t'as un kit. Exerce-toi au pinceau, pas besoin d'aéro. C'est très formateur pour le début, c'est très bien. Dernière, alors le T8, t'as retrouvé ta pièce Floppy? Salut Arnaud. Ou c'est mort? Voilà, je regarde une série là, ça fait peur. C'est l'exorciste. J'ai regardé un épisode là. Il y a deux saisons. Les acteurs sont plutôt bons. Ça va être sympa. Mais alors ça fout la pétoche. Bonjour, que me conseillez-vous pour un bateau de 39-45 qui ne prendrait pas beaucoup de place? Oui, déjà, comme te conseille notre ami Jean-Philippe, fais du 1700. C'est une des plus petites échelles en bateau. Ah, super Floppy. Oui, ben voilà. Tu vois, maximum 50 euros, à l'échelle 1700, tu trouveras. Va sur Passion, sur Oups. La cintreuse, la rouleuse APE. Green Stuff. C'est quoi ça que t'appelles la cintreuse? Ouais, un 700, tu sais, un bateau style, je sais pas, le Bismarck, par exemple, qui est un gros bateau, enfin, un gros cuirassé allemand, au 1700, bah, il fait bah, dites pas de bêtises, je dis pas de bêtises, mais peut-être 20-25 cm, maximum, hein, comment, Jean-Philippe. Donc c'est raisonnable, c'est le plus petit, quoi. 25 cm, ouais, voilà. Tu devrais aller voir Iceman, notre ami comment, Plasmo, que tu connais certainement, il a monté hein, plusieurs fois des bateaux 1700. J'en ai un autre aussi, je te file le lien parce que si ça t'intéresse, tu vas adorer. C'est comment il s'appelle lui Tiens, je vais te filer le lien tout de suite, là tu vas voir, tu vas adorer. C'est un mec, un asiatique.
Il fait des bateaux aux 700. Et des fois aux 350, hein, des fois à d'autres échelles, mais. C'est E, c'est Ebrowin. Voilà, ici. Hop. Je vais t'en mettre une de vidéo que tu puisses à peu près. Voilà, bah là, il montre le quoi? Le Duke of York. Attends. Voilà, je prends le lien partagé. Je te le mets dans le chat. Paste, j'envoie. Voilà Iceman. Tu t'abonnes à cette chaîne là, tu vas voir, il fait des trucs le gars. Bon alors lui c'est un god, hein, c'est un boss. Donc t'attends pas à faire comme lui au premier truc, mais. 36 cm à 700, d'accord. Merci Floppy. On va montrer ça à notre ami Iceman. D'accord, ouais, tu vois, c'est raisonnable. Ça prend pas de place, quoi, c'est chouette. Merci Floppy. Genre, salut Didier, je monte actuellement le Spitfire MK1 Opération Dynamo. Ouais, il est génial. Superbe appareil, je suis d'accord avec toi. Ok Théophile, bonne nuit. Moi je vais essayer de finir cette pièce là, finir cette page là, moi, l'étape 45. Donc voilà, tous les petits trucs là, et puis après, bah pareil, dodo. Hein. Mais on va finir ça ensemble. Ah merde. Ah non, c'est bon, je vais choper. J'ai tombé la pièce, mais j'ai réussi à la rattraper. Oui, ben je vois ce que c'est. Qu'est-ce que tu voulais savoir, Bulma? Si ça fonctionnait bien. Oui, c'est pas mal. Regarde-moi tout à l'heure, enfin tu me diras, ça c'est pas non plus. Les. Tu vois ça là de mon star machin là. Tu vois les tous les ronds là. Enfin tu vois les pièces ici là. Enfin là plutôt. Voilà, les ronds là. Je les ai cintrés, c'est des feuilles métal tout bête, hein. Une canette de coca, j'ai récupéré ou je sais plus quoi. Je les ai cintrés avec ça. Il y a plein de petites occasions comme ça, quand tu fais du scratch hein, notamment, où bah, tu as besoin de cintrer des trucs, c'est plutôt pas mal. Hein. Un peu de simulateur RC pour se détendre. Oui, on va. Après chacun se détend suivant. Suivant ses affinités, comme on dit. Tu sais, Clément, les hommes en général ont toujours, enfin, tu vois, aimé donner un petit nom à leur, tu vois. Aux avions, aux choses qui, il n'y a pas que les avions d'ailleurs, mais
tu vois. Après, pourquoi 4, machin, Tom 4, Wildcat, L4, comme tu disais. Je crois que ça date de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un dessin animé très connu avec un chat, là. Comment ça s'appelait, Félix, le chat. Je sais pas si c'est à cause de ça, je pense avoir lu à cause de ça, mais je me souviens plus très bien. Donc j'ai peur de dire des bêtises. De bleu, on est quoi? 24 000? 245 678 sur le site? Bah, ça m'étonnerait. Hein. Oui, Floppy, ça aussi, ça marche. Ça a une autre fonction, on peut faire aussi, mais... Tu vois, avec le rond que tu as mis, le bleu, là, on peut faire des ressorts, tout ça. Alors qu'avec l'autre, c'est pas possible. Alors que l'autre, on peut faire des longues plaques. Quand tu as une longue plaque, toi, tu veux faire genre un tonneau, un baril, ou ce genre de truc, tu vois, le recouvrir un pot d'échappement, tout ça, tu peux le faire avec celle de la photo de Bulma, là, qu'il a mis, là. Tu vois. Alors qu'avec toi, avec ton truc, c'est pas possible. Ça a tous les deux une fonction différente. Hein. Oui, Clément, je crois que c'est parti de là. Tout ça, c'est les outils qu'on a si on fait du scratch, quoi. Si tu fais pas de scratch, c'est pas vraiment utile, quoi. Puis ça coûte une petite blinde quand même, quoi. Tony, bah tu vas sous une de mes vidéos, n'importe laquelle, et puis en dessous tu cliques sur le bouton rejoindre. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Ouais, mon rhume est parti, Gilles. J'ai encore un petit reste, hein, mais ça va. Ouais, il faut aller, voilà, bouton rejoindre. Après, c'est YouTube qui s'occupe de tout le reste. Hein. Moi, je ne m'occupe pas de toi, carte bleue, machin. Tout ça, c'est ton YouTube. Hein. Salut Gérald. On va poser.
Voilà, puis demain on va monter les ailes. Ça, ça sera bien sec. On pourra un peu plus réfléchir déjà à la peinture et tout ça. Petit à petit, je suis en avance hein, là sur le tome 4. Hein. Je devais commencer à le monter le 1er octobre. Finalement, j'ai commencé le 15 décembre, le 15 septembre, pardon. Et je dois le terminer pour Noël. Donc, vous voyez, je suis quand même pas mal à l'avance. Hein. Mais pour Noël, j'aimerais bien aussi finir non seulement le tome 4, mais aussi le pont trop calme. Hein. Comme ça, après, je peux attaquer d'autres projets plus personnels. Salut Mowgli. Salut Tom. Voilà. Allez, on continue. On prépare les petites papins. Tu as déjà utilisé les produits Microrama. Qu'est-ce que c'est que ça, Microrama? Ça me dit rien, Tom. C'est des produits pour quoi? L'herbe statique. Non, moi je me fournis chez Diorama Precept. Hein. Ça me dit rien cette marque-là. Salut Christophe. Voilà. Bien collé, on appuie un petit coup là, bien comme il faut. Voilà. On garde les petites zones qui pourraient éventuellement. Alors, on va mettre un plat comme ça. Hop. Et on va mettre un là sur les côtés. Alright. Et voilà. Tu bosses tard. Ouais, ça y est, on a fini là. On va ranger un peu. Les amis, je tombe de sommeil. Demain, comme d'habitude, une longue journée m'attend. Alors merci à Didier. Ouais, ok, on y va aussi, nous Floppy. On va aller faire un petit dodo. Hein? On va aller rêver de toi, tu vas rêver que tu pilotes un tigre, toi, hein, un petit char. On utilise quelle colle pour le styrène? Ça, la colle verte Tamiya. Donc tous mes scratchs, j'utilise la colle Tamiya. On peut les avoir où? Ça, c'est dans les magasins de dessin. C'est pour tenir les feuilles de papier pour ceux qui font des dessins, tu sais, en haut d'une planche ou... Tu vois? Ça se vend par paquet de 10, de 15 et ça coûte, je sais pas, 2 euros. Ouais. Ça, tu vois, dans n'importe quelle année petite, elle est plus grande.
tu vas dans des magasins style, ouais, tu vois, Géant des Beaux-Arts, ce genre de truc. Suivant ce que tu as à côté. Mais ils en vendent aussi chez Amazon, hein, chez Amazon. Tu tapes pince à dessin et roulé jeunesse. Ah ouais les gars, on n'a pas bien inquiété ensemble, hein, on n'a pas bien avancé. On a fait le masquage de la verrière. On a fait tout le masquage de la verrière et puis on a fait tout ça là. Tu vois ? Ça va bien sécher jusqu'à demain là, ça va être absolument nickel. Il y aura encore 2-3 trucs de montage, les demi-miel par exemple, évidemment. Encore 2-3 trucs, puis après on pourra attaquer la peinture après, tout ça, machin. Et commencer les choses un peu intéressantes, quoi, disons. Et vive la maquette, ouais, Floppy. Bon les gars, passez une excellente nuit, faites des gros dodos, faites des beaux rêves. Quelle heure il est là? 22h45. Bon. Hein, et puis à demain ou après-demain, suivant mes disponibilités. Ok? Passez une excellente nuit les copains. Prenez soin de vous, hein, et bon courage à ceux qui bossent pour demain. Ok? A plus les gars, ciao. Ciao.